Waouh. Salut tout le monde, c'est Vince Mobis. J'espère que vous allez super bien comme moi je vais super bien. Voilà, on est au jour 15 de mon défi des 100 jours, saison 9 je crois. Voilà, je suis émerveillé, je suis aux anges, je suis c'est impressionnant, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent pour cette saison 9. Et je voulais vous le faire partager en vidéo parce que c'est extraordinaire. Là, vous voyez, je suis en train de signer pour mon appartement. Ça fait 2 ans que j'attends ça. Et ça y est, je l'ai visité samedi. Donc, on est lundi aujourd'hui. Je l'ai visité samedi. Et j'ai dit, j'accepte. C'est bon. J'ai envoyé le mail. J'attendais la réponse du propriétaire. J'étais là, putain, pourvu qu'il soit pas parti. Pourvu que. Et il m'a répondu ce matin, comme quoi il fallait que j'envoie tous les documents. Et ça y est. Un grand changement dans ma vie qui arrive, c'est ouf, c'est impressionnant, ça s'accélère à une vitesse phénoménale là en ce moment. Sentimentalement ça va bien mais je vous en parle pas plus, je vous dirai ça plus tard. En clair il y a un petit séjour à Paris qui se prépare, ben, plusieurs séjours à Paris. Voilà, comment vous dire que c'est le top. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire partager ça parce que c'est magique, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Professionnellement ça va vraiment décoller et je vais tout miser dans cette saison 9 pour vraiment évoluer plus que ce que j'imaginais. Déjà l'évolution c'est que voilà, j'ai trouvé cet appartement qui va être vraiment d'une utilité mais faramineuse pour moi parce que je vais pouvoir déjà décentraliser mon côté professionnel, partir de chez papa, voilà enfin, parce que j'ai 26 ans, je suis encore chez papa. Bon, c'est pas non plus le cas extrême, il y a d'autres cas qui sont beaucoup plus extrêmes, mais j'ai cette chance voilà, d'avoir mon bureau et d'être encore chez mon père et de faire mes trajets à côté. Là maintenant il va falloir que je passe un cap supérieur parce qu'il va y avoir un loyer à payer, il va y avoir des frais à payer et tout ça. Donc... Mais si je le fais c'est parce que je peux me le permettre maintenant et que je sais que ça va, tout va bien se passer, tout va se dérouler. Parce que pour vous parler de l'anecdote, il y avait un pas que j'ai franchi, c'est que l'année dernière j'étais encore, je percevais des allocations chômage par rapport aux activités que j'avais déjà faites. Donc avec mon activité à côté, ça me permettait de bien vivre. Et à partir de novembre, ça s'arrêtait. Donc j'angoissais vis-à-vis de ça en me disant qu'est-ce qui va se passer si le jour où j'ai plus mes allocations et que ma société chute, mais que j'ai des rentrées d'argent qui chutent. Et j'ai passé le cap. Bon, j'avais pas le choix en même temps parce que je pouvais pas demander s'il vous plaît, remettez-moi les allocs, s'il vous plaît, ça m'aurait fait plaisir. Non, ça s'est fait automatiquement. Et en fin de compte, je me suis aperçu que mon activité avait doublé. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires est en train de doubler comparé à l'année dernière. Et c'est magique, pendant 4 ans ça a été, voilà, depuis que j'ai créé mon entreprise, pendant 4 ans, enfin, pendant au moins 2 ans ça stagnait, ça évoluait pas, et il a fallu ce cap là pour que ça évolue. Donc je me dis que l'appartement ça va être exactement la même chose, c'est à dire que mes revenus vont forcément augmenter parce que je pense qu'intérieurement il va falloir que je me dise j'ai un loyer à payer, j'ai des choses à payer. Donc voilà, c'est ça qui est magique et je suis en train de l'écrire dans mon livre du défi des 100 jours et c'est magique. Voilà les amis, je voulais vous faire un petit compte rendu, un petit topo de ce qui se passe dans ma vie. On est au jour 15, hein, on est au jour 15, en 15 jours, c'est ouf tout ce qui s'est passé. Et je pense pas arrêter là, c'est ouf. Oh là là, vous imaginez pas. Donc en tout cas les amis, je vous fais d'énormes bisous. Je pense très très fort à vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu cette petite vidéo. C'est une petite vidéo de motivation je pense, pour ceux qui voudraient voir un petit peu l'évolution. Pensez à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis... à la prochaine. Bye!